Je suis très motivé. J'attends de voir et j'espère que ça va être plus excitant. Tout le monde est prêt? Ouais. Yes. Allez, on va procéder à l'ouverture du box. Ah bah alors là. Le Grisby. Attention, attention. Bonjour Pierre, c'est pour toi ça. Encore, il y en a encore. Du tableau. J'ai le flair pour les bons box et celui-là, je le sens bien. Mon objectif d'appareil photo, ça s'en vend bien. C'était rangé, c'était minutieux. En général, le matériel qui a de la valeur, on le range bien. Quelque chose qui n'a pas de valeur, on le jette. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ne rentre pas, s'il vous plaît. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a déjà 20 cartons. Il y a déjà 100 balles. Là, il y a des haltères pour te faire tes muscles. C'est bon pour moi. Il y a des bouquins pour tes nuits d'hiver. Il est trop bien chargé pour pas qu'il y ait une bonne betterave dedans. Un box intéressant. T'as les appareils photo, là, t'as les objectifs et tout, c'est pas mal. C'est intéressant celui-là, le box. Celui-là, il est très intéressant. Plus intéressant que l'autre. Ouais. Et là, je prends juste du plaisir, entre guillemets, à contrer mes adversaires. Qu'est-ce que t'as vu de bien? Le four de casque, quoi qu'il arrive, ça part très bien. Il y a du matériel photo. Il y a du matériel photo. Ouais. Le trépied à droite et les box qui sont à l'arrière, où il y a des objectifs à l'intérieur. Tout fille, c'est qu'on est des pros, et tout feu, tout flamme. Donc il a dû être influencé par ce que j'ai dit. Mais ça vaut rien, quoi. Nous allons procéder à la vente du box. Vous voulez bien nous suivre, Monsieur Cohen? Et hop! Prêt à enchérir? Oui, ouais. Alors nous allons commencer à 50 euros. 60. 80, 90, 100, 110. 120. 120. 130. 130. Ouais, plus je leur fais cracher de l'argent, plus je suis content. C'est ça. 200. 200. 300. 300 par monsieur. 400. 400 derrière moi. 450 à ma gauche. 500. 10. 10. Je voulais un peu leur pirater le compte. Tu vois, j'étais venu aujourd'hui un peu en pirate, vous voyez. 50. 80. 600. 700. 50. 900. 900. Oui, ça va trop, là. Vous voulez mettre une enchère, mademoiselle? J'ai laissé passer ce box sans le moindre regret. 900 euros, l'enchère à ma gauche, ni à droite. 910. Matos photo. 920. On va rendre à 1000. 1000. On va rendre à 1000. 1000. 1000 euros. Faut dire 1000. C'est lui, hein. C'est 1000. Tellement surprenant. Alors 1000 euros l'enchère en face de moi. Y a pas preneur au-dessus. Ouais, j'ai bien fait mon job. Je voulais, mais c'est trop cher. Alors 1200. Bah, évidemment que c'est trop cher. Non. 10, allez. 1010 contre vous. 1015. Eh oui, 5 euros de plus, c'est 5 euros. Il n'y a pas preneur au-dessus de 1015. 1020 peut-être? 1020. 1100. 1100. Il n'y a pas preneur au-dessus de 1100. L'enchère à ma gauche. 110. 110, si vous voulez. Si Jean-Louis tape sur un tout petit truc à 1000, c'est que lui, il a peut-être vu quelque chose. 1120, l'enchère ici. Il n'y a pas preneur au-dessus? 30. Non, 1130. 1140. J'ai des concurrents qui ont des dents longues aussi. J'ai du mal, j'ai mal regardé, à mon avis. Tout le monde n'a pas vu la même chose? Non, désolé. Ah, pardon. Fermé. 60. 1160, 1180. 80. Ah, 1200, oui. Alors, 1200. 1210. 1210. 1220. C'est bon. 1220 l'enchère à ma gauche, ni à droite. C'est plus pour moi. C'est plus pour vous. Adjugé à 1220, à ma gauche. Deux box dans la journée, bah, je suis pas venu pour rien. Ouais, non, j'ai bien fait mon job. Maître Toufi qui a 1220 euros sur ce box, j'ai aucun regret lui avoir fait claquer cet argent-là pour ce que c'était. Toufi, il a la chance du débutant, comme un joueur de poker. Il rafle tout le monde alors qu'il y connaît que dalle, mais il a le culot de le faire. Et Toufi, c'était le mec le plus intelligent de la journée. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal d'affaires. Alors, on va détailler tout ça. Des cartons, un miroir, un meuble. VHS, des cartons au fond, un petit dressing avec des vêtements, d'autres cartons, oh, des vêtements, allez, une cinquantaine d'euros. Oh, Star Wars, en VHS, c'est collector ça. Des tableaux, on peut en tirer 15 euros pièce, c'est déjà bien. Alors, une petite guitare, c'est bien. Toute ma jeunesse, je n'ai rêvé d'en faire. On va le raccorder, hein. Pas très accordé, on a quelques cordes. Mais je pense que ça a de la valeur. Un appareil photo. Alors, on va sortir. Je sais pas, il date de quelle année. En tout cas, il est très, très vieux. Je sais pas combien il vaut. Je pense que une estimation entre 100 et 200 euros.
un bouquin très très vieux. Il n'y a même plus la page. Il y a marqué France dessus. Il a l'air très ancien. Ça doit se vendre une trentaine d'euros. Un bon kilo qui est cassé à moitié. Ça vaut rien. Alors, il y a quoi d'autre? Alors, il y a un petit four. Bon, ça doit pas coûter très cher, ça. Il y a quoi d'autre à sortir? Il y a des sacs à dos. Alors, des prises, des téléphones de maison, mais plus personne s'en sert, c'est vieux. Poubelle. Le box m'a coûté 1220 euros. Là, j'en suis à peine à la moitié de ce que j'ai investi. Pour l'instant, le box pas rentable. Plus je déballe et plus je me dis que je vais perdre de l'argent. J'aime pas ça. Il y a quoi d'autre? Une grosse mallette. Hop, on va ouvrir ça. Tac, tac, tac. Oh! Ah, une belle guitare. Bon, au final, je venais pour les appareils photo. Au final, je trouve des belles guitares. Oh, très très belle. Elle est propre. On peut la raccorder à une enceinte. Alors, il y a le nom du constructeur et elle porte un numéro de série. Et quand on a des numéros de série, en général, c'est pas gratuit. J'ai un ami qui est un peu dans la musique. Il faut que j'aille le voir, que je lui montre ça. En tout cas, très très belle. Là, j'ai alors Julien, un expert de la guitare, pour qu'il puisse me donner le prix de celle-ci. Bonsoir. Bonsoir. Tu dois être Julien? Oui, tout à fait. Bienvenue. Bon. Merci. Waouh, c'est magnifique. En arrivant chez l'expert, j'ai vu pas mal de guitares crochées au mur. Je me suis dit que c'était le paradis des guitares. Je me suis dit que j'étais au bon endroit. Pose ta guitare ici. Waouh. Ah ouais, c'est encore pire que... que votre pièce. J'ai l'impression que je me suis adressé à la bonne personne. J'espère, en tout cas. C'est une guitare de collection. Ça, c'est ce qu'on appelle une Antigua, du nom de cette finition-là. Donc cette couleur-là, c'est une couleur assez rare chez Fender. D'accord. Puisqu'elle a été, mise sur les guitares uniquement entre 77 et 80. D'accord. 3 ans seulement. J'aime bien ce que j'entends. Le numéro de série commence par une lettre qui est la décennie, donc D'accord. S pour 7. Et le premier chiffre, ensuite, c'est l'année, donc 79. 79. Tout simplement. D'accord. Donc ça, c'est une guitare qui est relativement recherchée par les collectionneurs de par la rareté de cette couleur-là. Quand c'est rare, ça doit valoir des thunes, non? Et sinon, t'intéresse pas, toi, hein? Écoute, allons la brancher et puis on va voir ce que ça raconte. Ok, ça marche. Je te suis. Magnifique. Magnifique ce morceau. C'est ta guitare qui est bien. Et dis-moi qu'elle vaut quelque chose. En général, un collectionneur qui achète cette guitare la recherchera dans un bien meilleur état que ça. Donc là, typiquement, on perd un peu sur la cote. Alors, quand même, malgré tout, t'as de la chance que ce soit cette couleur-là, puisque n'importe quelle autre couleur de cette année-là, ce modèle-là, on serait à 500 euros de moins à peu près. Ah ouais. Je dirais que dans cet état-là, on est... Là, on est à 1800-1900 euros à peu près. Oh, c'est déjà bien. Oui, pour une guitare, c'est déjà correct. Ouais. Voilà, je rentabilise mon box où j'ai acheté 1220, donc je suis déjà en gain. Et puis, oui, t'as d'autres trésors dans le box. Là, t'es largement dedans, ouais. Ah, nickel. Au départ, c'était pas une bonne affaire, puisqu'en le vidant, il n'y avait rien de terrible à l'intérieur. Je pensais que j'allais perdre même des thunes jusqu'à que je tombe sur la guitare. Et grâce à ça, je me dis que je vais peut-être rentrer dans mes frais et faire un petit peu de bénéfices. Merci Julien, à bientôt. Merci, ciao. Je suis soulagé.